Dairicus Albert est l'un des caïds de la prison. Je suis un original baby gangster. Je fais partie des Crips de Compton. Je suis le chef des Crips de Lebanon. Et c'est moi qui gère le business ici. Lui, c'est marrant. Ayant grandi dans un gang, Albert est arrivé à Lebanon pour avoir abattu un homme qui ne lui avait pas payé sa livraison de drogue. Albert n'a pas tiré sur lui une fois, ni deux, mais quatre fois. Et il a continué de lui tirer dans le dos tandis qu'il s'effondrait. C'est ce meurtre qui lui a valu son incarcération. Une fois sur place, il s'est hissé à la tête des Crips. Tu me le files ce soir. L'un des gangs les plus puissants de Lebanon. Albert fait partie des Crips depuis l'âge de 12 ans. Il appartient à la première génération d'un gang de Los Angeles baptisé Original Baby Gangsters. Son ancienneté fait de lui l'un des leaders des Crips au niveau national. Ici, à Lebanon, il est à la tête d'un gang d'une cinquantaine d'hommes. Je le veux ce soir. Sinon, t'es mal. T'es très mal. Il est en concurrence avec une dizaine d'autres gangs qui exploitent les détenus. Leurs activités comprennent le racket, les paris et la drogue. La vie d'un détenu, c'est d'arriver à survivre en prison. On se débrouille par tous les moyens quand on n'est pas libre. Tous ceux qui ne sont pas vos amis sont vos ennemis. Faut s'imposer. Le chef du gang est constamment à la recherche de nouveaux détenus. Pour Albert, ils constituent des proies faciles à racketter. Il nous révèle sa technique pour les faire cracher au bassinet. Quand un type arrive, je passe le voir à l'heure de la bouffe. Je vais à sa cellule et je lui demande « Tu viens manger ?» Il me dit « Oui, j'arrive. » Donc je l'accompagne, je lui montre que je suis là. Après lui avoir offert amitié et protection, il passe à l'offensive. Il l'emmène dans une cellule vide ou dans une cage d'escalier pour lui demander de l'argent, des cadeaux ou des services. Si le détenu refuse, les choses se gâtent. Je deviens agressif, je prends l'air mauvais. Je m'arrange pour être torse nu et pour qu'il voie les gants dans ma poche. Si je sens que c'est un faible, je lui mets une ou deux claques et je l'attrape par la gorge. Je serre pendant 10-12 secondes et après il devient raisonnable.